La jeune fille et la nuit, la série événement portée par Johan Gruffudd et Grégory Fitoussi, débute ce soir sur France 2. Les fans de Guillaume Musso se demandent peut-être si l'écrivain a participé à l'adaptation de son roman. On a la réponse. Ce soir, France 2 diffuse les deux premiers épisodes de sa série événement La jeune fille et la nuit portée par Johan Gruffudd et Grégory Fitoussi. Réalisée par Bill Eagles, la série est évidemment une adaptation du roman éponyme de Guillaume Musso qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Mais l'écrivain a-t-il participé à l'écriture de la série? C'est Marston Bloom, la sélection, qui a écrit les 6 épisodes de La jeune fille et la nuit. Et si Guillaume Musso n'a pas officié en tant que scénariste sur la série, il a toutefois eu son mot à dire. À ce sujet, le romancier à succès avait indiqué dans un entretien accordé à nos confrères de France Télévisions, « J'ai fait un peu de tout, je n'ai pas écrit directement mais j'ai beaucoup participé à la lecture des textes, donné mon avis sur le choix des comédiens, sur le lieu, sur le ton, sur les images. » Et Guillaume Musso de poursuivre, « Nous avons travaillé pendant 2 ans avec le producteur et la chaîne avec cette idée de ping-pong créatif. C'était très agréable et enrichissant, surtout que les conditions étaient compliquées à cause du Covid. Très heureux qu'on soit arrivé au bout. » Au départ, il lui avait pourtant été proposé d'écrire cette adaptation pour la télévision mais en tant que romancier, il ne se sentait pas prêt à revêtir cette nouvelle casquette. À l'avenir, Guillaume Musso et Sidney Galland, le producteur de la série La jeune fille et la nuit, aimeraient retravailler ensemble sur plusieurs projets dont potentiellement une série originale écrite cette fois par le romancier. Voilà de quoi ravir les fans de l'auteur.